bonjour à tous. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On espère que vous allez bien. Nous, on a la forme, j'ai une petite extension de voix, mais ça va bien se passer. Je vais me connecter aussi à côté pour voir vos messages. Allez, dites-nous un petit bonjour, on va voir qui c'est qu'il y avait nous aujourd'hui. C'est ça. Alors, je vous rappelle que l'objectif de ces petits lives sur Facebook, ben, c'est un petit échange entre vous et nous, hein, c'est un jeu de questions-réponses. Ben, l'idée, c'est de vous aider tout simplement. Alors, on y met une thématique, ben, c'est pour pouvoir avoir un fil conducteur, mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse échanger ensemble, hein, On est je vous là le pour rappelle. Voilà. discuter avec vous. Vous nous écrivez dans le chat et on répond à toutes vos questions. Donc, commencez par nous écrire déjà pour nous dire qui est là. Parce que nous, on voit le nombre de personnes, mais on ne voit pas qui est là. Vous pouvez nous dire où vous êtes. Vous pouvez nous dire si vous avez déjà investi, si vous êtes concerné par des DPE passoires thermiques. On va vous expliquer tout ça. Peut-être que vous êtes déjà au courant de votre DPE, de vos DPE, des DPE de vos biens. On est là pour échanger avec vous. Donc, écrivez-nous dans le chat. On est là pour discuter. Et comme ça, on fait connaissance. L'idée, c'est aussi de vous connaître et on adaptera aussi, bien sûr, le discours à nos commentaires. Salut Max. Ah oui, Maxime, ok, je te connais. J'espère que ça va bien. Salut Maxime. Je ne sais plus si tu as déjà des biens, je crois pas. Dites-nous Mais dans les commentaires effectivement, ouais, si c'est vous êtes déjà important. des investisseurs et dans quoi vous avez investi. Et effectivement, vous pouvez aussi nous parler de vos interrogations sur le DPE. Peut-être que vous avez des biens justement avec des DPE qui ont des mauvaises notes ou des bonnes notes, hein, d'ailleurs. Voilà, Ouais, ça nous c'est intéresse de ça aussi. qu'on va parler aujourd'hui. Salut Salut Gaëtan. Gaëtan, j'espère que tu vas bien. Gaëtan aussi, nouvel inscrit à l'école dernièrement, Alors aujourd'hui, comme Max. en fil conducteur, on va parler du DPEH en 2023. C'est de ça qu'on va parler. Exactement. Alors pas que, on va effectivement rebalayer un petit peu tout, mais on va parler de ça, ouais. Vous les connaissez de A jusqu'à G. Effectivement, on va vous expliquer ce que c'est que le DPEH applicable au 1er janvier, donc dans quelques jours, dans 13-14 jours. Ok, vous Gaëtan. débutez donc Maxime et Gaëtan, vous êtes dans la formation. Ok. Yes. Et Sylvia aussi. Salut Sylvia. T'es dans la voiture. Entre vite d'avoir pris un mandat. Ah, ça c'est cool, t'as pris un mandat. Sylvia, elle est mandataire dans un réseau de mandataires immobiliers. Et du coup, bah, écoute, fais attention, écoute-nous, mais ne nous regarde pas trop, Sylvia. Alors, qui est là? Expliquez-nous, dites-nous. Pour l'instant, on a trois élèves qui nous suivent. On est là aussi pour ceux qui ne sont pas encore élèves de l'école. On est là pour répondre à vos questions. Donc, vous nous écrivez dans les commentaires qui est là. Si vous avez déjà investi, si vous avez déjà des biens, si vous avez déjà des biens passoires thermiques, si vous avez déjà des biens qui ne le sont pas, ça peut être intéressant aussi. Et on va vous expliquer tout ça. Ben nous a préparé une jolie slide qu'on va vous montrer tout à l'heure pour vous expliquer comment ça va marcher à partir du 1er janvier 2023, dans 2 semaines. Ouais, alors juste petit rappel, on parle de DPE, on faut bien savoir qu'en fait, pas mal de choses ont changé au 1er juillet 2021. Enfin, 1er juillet 2021, il y a deux choses. Il y a eu des nouvelles façons de faire les DPE, donc ce qu'on appelle les nouveaux DPE, d'accord? Donc ça va être une nouvelle méthode de mesure, d'accord? La note, hein, en lettres A, B, C, D, etc., a été revue en fonction de l'énergie dépensée. C'est On ça. va le voir, hein, d'accord? Donc, ils ont revu la méthode avec la classification. Donc ça, c'est un côté. Et la deuxième chose qu'ils ont mis en place, c'est des interdictions de location. En fonction de ces scores-là. Exactement. On va bien sûr reparler de ça. Donc c'est ça qui s'est passé au 1er juillet 2021. Alors, avant, pour faire un DPE, avant, donc 1er juillet 2021, pour faire un DPE, soit tu donnais les factures de consommation d'électricité, et tu avais une note, ou soit, et c'était assez rare finalement, tu avais la méthode 3CL. Ou qui se rapproche finalement du nouveau DPE, c'est-à-dire qu'il y avait un diagnostic Ça, intégré et c'était un diagnostic du bien. c'est toujours la méthode 3CL qui est applicable. Aujourd'hui, c'est la seule qui est applicable. Elle a juste été revue. L'algorithme a été revu pour donner le score. Et effectivement, c'est devenu obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de DPE vierge depuis le 1er juillet 2021. C'est devenu interdit. Salut Jack, salut Ivona. Donc Jack, on va parler de ton bien, tu vas voir. Et Ivona, salut. Essaye de nous suivre. Si tu arrives à nous suivre, c'est une bonne idée. Alors, tu es des anciens DPE, tiens. Alors. J'ai un DPE de 2014. Est-ce qu'il est encore valable? Alors, il sera plus valable après le 31 décembre. Voilà, dans quelques jours. Ouais. Et ensuite, combien de temps il nous reste avec les DPE? La plupart du temps, maintenant, on va avoir des cas de DPE de 2018, 2019, Effectivement. 2020. Ça arrive encore. Et là, à ces moments-là, comme ils sont encore valables, les vendeurs ne veulent pas toujours les refaire. Et quand nous, on est investisseurs, on veut avoir la nouvelle note. Alors, justement, il y a deux choses à dire.
Les DPE, effectivement, qui sont après le 31 décembre 2017, donc à partir du 1er janvier 2018, ils sont encore valables, d'accord? Ils sont encore valables jusqu'au 1er janvier 2024, d'accord? Jusqu'en fait, à l'interdiction de la lettre... Pardon, c'est le 1er janvier 2025, ouais, jusqu'à la lettre G, en fait, c'était ça mon... je me souvenais. Donc, c'est encore valable, cela. Donc, ça, c'est la première des choses à comprendre. Donc, là-dedans, il peut y avoir un DPE VR, d'accord? Exactement. Voilà. C'est le nouveau... Tu fais le nouveau diagnostic, hein? Celui-là ne peut pas être vierge, d'accord? Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, effectivement, et là, c'est super important ce que tu dis, Renaud, c'est que toi, tu es en train d'acheter un bien. Alors que le DPE est encore valable. Il a été fait le 18 mars 2019. OK. Il est en D. Il est très bien, en D. Ouais, mais il est D sur l'ancien DPE. Exactement. Donc, ça veut dire que toi, à un moment donné, même s'il est encore valable jusqu'en 2025, un 1er janvier 2025. Encore deux ans. Ouais. Ouais, mais à un moment donné, un changement de locataire ou quand tu vas revendre, tu vas refaire le DPE. Donc, ce qui compte, au final, c'est pour toi, en tant qu'acheteur, c'est de savoir quelle est la note du avec le nouveau DPE. C'est ça qui est important pour toi. Ouais. Donc, tu vas voir que le vendeur ne va pas vouloir le faire, le nouveau DPE. Bon, en tout cas, ça se négocie. Dans le pire des cas, qu'est-ce que tu fais, Renaud? Et alors, dans ce cas-là, c'est un exemple. C'est ce que nous, on a fait cette année sur un des immeubles qu'on a acheté en 2022. Là. On a fait faire un nouveau DPE. Le vendeur ne voulait pas le payer, c'est pas grave, on a dit nous, on préfère, avec Ben, on préfère payer le diagnostic, mais avoir la nouvelle vue, la nouvelle note. Ouais. Et comme ça, celui-là, il est à nouveau valable 10 ans, mais surtout, on va pouvoir s'appuyer dessus pour savoir si on peut louer à nouveau en 2025 ou en 2028. Ouais, et puis accessoirement, on va voir si on perd pas d'argent, si on veut le revendre. Exactement. Donc, combien ça nous a coûté sur un immeuble de 4 appartements? Ça nous a coûté 180 euros, je crois, ou 200 euros. Alors oui, c'est de notre poche. Alors, effectivement, c'est de notre poche et on n'a pas été remboursé pour ça. Et si on n'avait pas acheté, bah tant pis, c'est de ta poche. Par contre, t'as payé 200 balles pour être sûr de ne pas te planter sur un investissement à 200 euros. Exact. 240 ou 250 000 euros. Bah, ça n'a rien à voir. Donc, enfin, il y a un rapport 1000 là dans l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est pas systématique. Il y a des vendeurs qui ont joué le jeu. Il y a des vendeurs qui le refont. Sur les immeubles, mais sur d'autres immeubles, il y en a qui jouent le jeu. Et il y en a qui veulent pas le mettre à jour parce qu'il est encore valable, ils ont raison, ils sont dans leur droit. Et dans ces cas-là, on vous engage à mettre 200 balles de votre poche pour savoir, pour connaître les nouvelles notes. Et ça, c'est super important. Pour savoir si vous allez pouvoir continuer à louer. Nous, on investit pour pouvoir louer après le 1er janvier 2025. Oui, oui, oui. Et puis encore une fois, hein, pensez à la revente. Hein. Donc là, c'est moins évolué l'attente. Hein. Ouais, c'est ça. Un autre truc que tu as dit, Ben, aussi, c'est que bon, là, il est dans l'exemple, et c'était cet exemple, il était en D. D'accord Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas trouvé de métrique. Alors, il y en a peut-être une en fonction des algos, bien sûr, mais on n'a pas trouvé de métrique pour savoir si la note va être améliorée ou dégradée quand on passe de l'ancien DPE au nouveau DPE. Ouais. D'accord? Déjà, si tu avais un DPE vierge, bien évidemment, la note elle sera nouvelle. Donc, ça peut être que. Si mieux. L'ancienne note a été faite à partir de la méthode 3CL, ça va encore. Il y a on peut arriver à sentir quelle sera la note avec le nouveau DPE. Par contre, si l'ancien DPE a été réalisé classiquement, avec la consommation, avec les factures. Non, là, c'est quasi imprédictible. Franchement, nous, on a visité des biens, on s'est dit, oh, ça doit être une bonne note. Derrière, c'était pas une bonne note. C'est vrai. Et inversement. Voilà. Donc, très difficile au juger. Donc, en fait, après, ce qu'on regarde, c'est effectivement, si tu as une notation D, E ou F, allez, tiens, on va mettre une notation E, et qu'il y a un nouveau diagnostic qui est effectué, à ce moment-là, il pourrait... on pourrait essayer d'estimer si la prochaine elle sera encore E ou F ou D. Ce qu'on a vu, c'est que d'une manière générale, mais pas systématique, c'est pour ça qu'on ne peut pas trop se positionner, mais d'une manière générale, on a vu que ça dégradait un petit peu la notation. Ça dégrade un petit peu la consommation. D'accord? Les nouveaux algorithmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi une nouveauté des DPE du 1er juillet, depuis le 1er juillet 2021, c'est qu'ils sont liés au département, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Du coup, si tu as un département en Savoie ou dans le Massif central, donc on va dire montagnard, effectivement, la consommation, elle va être majorée puisque tu chauffes plus en général à la montagne. Et si la consommation, elle est majorée, du coup, ta note, elle est un petit peu dégradée. Donc, faites refaire vos DPE. C'est le premier conseil qu'on peut vous donner. Max, j'ai vu un reportage où les diagnostiqueurs faisaient ça un peu en mode olé-olé. Rien de réel, c'est un peu à la louche. Le niveau sera plus encadré. En fait, il y a une méthode. Alors déjà, on va reparler un peu du diagnostic. C'est bien un diagnostic de performance énergétique dont on parle depuis tout à l'heure. Dans le diagnostic de performance énergétique, il y a une partie consommation électrique. Ben, il nous a préparé une slide pour vous expliquer tout ça. Une consommation d'énergie, pas électrique, pardon. Une consommation d'énergie pour faire vivre le bien pendant un an. Et on estime combien ça, quelle énergie on va consommer. Et ensuite, il y a une partie sur les émissions de gaz à effet de serre. D'accord? Et c'est le pire score des deux qui est retenu.
Ça, c'est important que vous le compreniez aussi. Ouais, parce qu'effectivement, tu peux avoir un bien avec finalement une consommation électrique correcte, on va dire D. Et par contre, un chauffage au fioul, par exemple, qui vient t'exposer la note en CO2 ah ouais. et qui vient te mettre un G, et tu vois que finalement, en basculant en chauffage électrique, ben, tu reviens en DPE D. Ouais, exactement. Voilà, donc ça arrive. Ouais, ouais, c'est vrai. Allez, je vais partager sur l'écran. Moi, je vais continuer sur cette partie pour répondre à Max. Donc, effectivement, ce qui est important de comprendre, c'est que là, ça va, hop, là, ça va arriver, c'est bon. Ce qui est important de comprendre, c'est que il y a une méthode. Les diagnostiqueurs utilisent un logiciel fourni par l'État. Hein. Il y a eu des déboires un petit peu il y a un an, là, et puis là, maintenant, c'est bon, c'est rentré dans l'ordre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ils observent les éléments du logement, et à partir de ça, ils rentrent des caractéristiques dans leur logiciel. Il y a beaucoup de caractéristiques à rentrer. C'est normé, d'accord. Voilà. Et ensuite, l'algorithme, il donne un score. Maintenant, ce que rentre le diagnostiqueur, il peut le rentrer plus ou moins, de façon plus ou moins pertinente. Ouais. Et puis surtout, il peut mettre non inconnu. C'est ça. S'il n'a pas l'info, il faut vraiment pousser à ce qu'il aille chercher l'information. Ouais. Par exemple, pour l'isolation derrière les murs, il faut fournir des factures, par exemple, pour trouver qu'il y a bien une isolation. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que il n'y a pas de réglementation de tarification normée sur les diagnostics. Donc, c'est une concurrence directe. Et il y en a beaucoup qui baissent les prix pour pouvoir faire du chiffre d'affaires et pour pouvoir travailler. Et du coup, ils se retrouvent, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, 200 balles pour 4 logements, je trouve que c'est vraiment pas cher. Le truc, c'est que derrière, ils vont donc passer le moins de temps possible. Et s'ils passent le moins de temps possible, bah, effectivement, c'est parfois fait un petit peu à l'arrache. Max, tu as raison. Alors que je pense qu'ils oublient de temps en temps que le diagnostic, il est opposable au diagnostiqueur. Donc, ça veut dire que s'il y a un diagnostic qui est faux, on peut aller voir le diagnostiqueur pour lui dire, attendez, il est faux et il faut le refaire. Alors que moi, je me suis engagé auprès de mes locataires. Seulement, je pense qu'ils jouent sur le fait qu'il y a personne qui va se plaindre. Sauf le jour où il y a un locataire qui consomme plus que prévu. Et on pourrait avoir à ce moment-là des soucis, de la discussion avec les diagnostiqueurs. Donc, il faut comprendre que il faut donner un maximum d'informations aux diagnostiqueurs pour qu'ils puissent sortir un bon diagnostic réaliste. Alors, à l'écran, je vous ai mis effectivement ce dont on parle, mais au moins c'est imagé. Et ouais. On voit les différentes consommations, que ce soit en CO2, que ce soit en énergie, en électrique, si vous voulez. Là, aujourd'hui, on voulait vous parler du DPE-H, la lettre H, d'accord ? Alors, en fait, cette lettre H, vous comprenez bien qu'elle n'existe pas, d'accord ? C'est nous, avec Renault, qui avons ajouté cette lettre H, ouais. Parce qu'au final, la notation officielle, elle s'arrête à la lettre G, hein, donc ce qui est en rouge, d'accord ? Donc, de A à G, c'est officiel. C'est juste qu'il y a une règle en plus, d'accord ? Qui est le supérieur à 450 kW par mètre carré par an. Écoute bien, Jack. D'accord, oui, mais tu es concerné, du coup. Ils sont allés rajouter une interdiction de location en 2023, 1er janvier 2023, pour les logements dont la consommation électrique et énergétique est supérieure à 450 kW par mètre carré par an. Et c'est ça qu'on est venu ajouter en H, oui. D'accord ? Parce que s'ils l'avaient fait comme ça, franchement, ça aurait été beaucoup plus simple. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés nous faire de deux systèmes différents. Vous allez le voir écrit parfois G+. On l'a vu aussi écrit parfois G+, mais effectivement, chacun met sa petite notation et sa petite appellation parce que ça n'a pas été normé. Par contre, effectivement, il y a un énorme impact pour ces logements qui ont une consommation énergétique supérieure à 450 kW kilowattheure par mètre carré par an. Mais on ne regarde pas les gaz à effet de serre. Exactement. En fait, l'idée, c'est de se dire quels sont les logements qui sont des passoires thermiques, mais on va pas imposer aux propriétaires, pour l'instant, de changer le mode de chauffage. Parce que le gaz à effet de serre, il est directement lié au mode de chauffage. Parfois, l'eau chaude sanitaire, mais le plus souvent, le chauffage tout court. L'eau chaude sanitaire, c'est l'eau chaude, hein, du robinet. Et du coup, pour l'instant, ne sont pas concernés, du coup, ce que tu disais tout à l'heure, l'exemple du fioul ou du gaz de ville ou du autre. Qui est utilisé pour le chauffage de l'appartement du logement. Alors, encore une fois, c'est un double tranchant. Ça peut être très emmerdant, mais ça peut être une super opportunité aussi. Alors, ouais. Pourquoi ça peut être une super... alors, pourquoi c'est emmerdant ? Si t'as un bien qui est dans cette notation-là, bah, tu vois bien que t'es embêté. Maintenant, on va parler des solutions, hein, juste après, Jack. Parce que oui, tu es dans ce cas-là. Maintenant, pourquoi c'est une super opportunité ? Bah, c'est une super opportunité parce qu'il va y avoir des vendeurs, et c'est déjà le cas, mais il va y avoir de plus en plus des vendeurs qui vont devoir baisser leur prix parce que leur bien n'est pas louable. D'accord ? Donc la personne qui a un bien comme ça, un immeuble comme ça, bah, elle n'a pas 35 solutions. Hein.
Bah, soit elle fait les travaux, soit elle arrête de louer. D'accord? Alors, s'il y a déjà des locataires en place, pas de problème. Bah, à la rotation, par contre, bah, il va falloir bah, s'aligner et se mettre à jour. Ouais. Donc, il va y avoir beaucoup de vendeurs qui ne vont pas faire les travaux, qui vont donc mettre sur le marché. Ils vont mettre sur le marché des biens qui ne sont pas louables. Bah, le futur acheteur, il va pas pouvoir louer non plus, hein. C'est ça. Donc, du coup, il va falloir qu'il fasse les travaux. Donc, Donc, du coup, négociation. il va négocier. Voilà. Bien Sauf sûr. que, il y a les travaux Bien sûr, rentables et les travaux j'imagine. pas rentables. C'est ça, ça. Voilà. Il y a les travaux. En fait, pour pouvoir améliorer les notes, bah, tu as des travaux pour la même note gagnée. Bah, il y a les travaux qui coûtent cher et les travaux qui coûtent pas cher. Bon, après, quand tu arrives, si tu es en notation H, je rentre l'écran là-bas, pardon, si tu es en notation H, il va y en avoir un petit peu des travaux à faire quand même. Faut pas déconner, Alors, il va falloir faire un petit peu des efforts. c'est vrai, mais déjà, est-ce que ça ne commencerait pas par analyser le Le DPE. DPE? Alors, rappel, hein, analyser le nouveau DPE. Le DPE après le 1er juillet 2021. D'accord? L'analyser et regarder si on ne se retrouve pas avec énormément de De... lignes qui n'ont pas pu être analysées parce que documents non fournis, parce que non Ouais, applicables, etc. exactement. C'est la première chose à faire. Vous allez ouvrir votre DPE et vous allez regarder s'il y a beaucoup de lignes, enfin, quelles sont les lignes où il y a écrit inconnu ou non applicable, mais surtout inconnu. Pourquoi? Parce que si le diagnostiqueur, on l'a dit tout à l'heure, si le diagnostiqueur n'a pas l'information, de tel mur, pardon, je vais le faire comme ça, tel mur là, mur nord du salon, s'il n'a pas l'information de l'isolation qui est derrière, ben du coup il va marquer inconnu. Et comment ça se passe à ces moments-là? Il va prendre par défaut l'isolation à la date de construction. Donc si tu as un immeuble des années 60. 60, ben forcément Ah les non. normes d'isolation c'était pas les mêmes qu'en 2022. C'est éclaté. Donc le truc c'est que à ces moments-là, il manque une information. Bon, ben peut-être qu'il faut que tu ailles chercher cette information. Soit tu sors les factures d'isolation, de travaux qui ont été faits. Si tu les as récupérés, si tu viens d'acheter, ou si tu les as fait toi-même, j'espère que tu as les factures, pour montrer que, regardez, j'ai acheté tant de mètres carrés de laine de verre de 20 cm d'épaisseur, et ça a été posé sur à tel mur et tel mur. Sinon, ça c'est la première méthode, Ouais. prouvée par facture. Deuxième méthode, c'est prouvée physiquement. Et là, dans ces cas-là, ça vaut peut-être le coup de faire un trou dans le mur pour aller vérifier et montrer au diagnostiqueur, ou prendre une photo et lui envoyer, hein, ça dépend s'il est passé il n'y a pas longtemps, il peut accepter ce genre de choses. Ça se discute à tout ça, hein. Les diagnostiqueurs sont ouverts à la discussion, hein. Pour lui prouver qu'il y a bien les 20 cm, par exemple, de laine de verre derrière le mur. Alors, Mais ben, il y a une autre solution que d'aller faire un trou ouais, alors dans ça le c'est effectivement, c'est une solution. Si c'est ton bien, ça marche. Hein. En visite, Parce que tu es en train de visiter, tu veux dire, pour acheter. ouais. Ouais. Bonjour, j'ai amené la perceuse pour vérifier Mais les réactions. effectivement, l'autre solution, mais qui n'est pas tout applicable, hein, malheureusement, mais de temps en temps ça marche, c'est d'enlever le socle de la prise. Alors que ce soit la prise électrique ou des fois les interrupteurs. Et des fois, on arrive à voir en fait à travers le mur. Si c'est du placo, on peut arriver à voir C'est l'isolation. ça. Alors, c'est-à-dire que tu Ça ne marche pas vas tout le temps. le placo, la plaque de placo, ok. Tu vas avoir donc un isolant derrière. Et puis, bah, quand tu enlèves ta prise électrique, ta prise de courant, ou interrupteur, tu as raison, ça marche aussi. Tu vas avoir souvent une coque, mais parfois c'est vide. Alors, si c'est vide, tu vas pouvoir voir un peu de côté s'il y a bien de l'isolant. S'il y a une coque, ça se démonte. C'est un peu casse-pied, mais ça se démonte. Ah oui, tu coupes le courant avant de faire ça, en fait. Gros warning là. Tu coupes le courant avant de démonter les trucs. Hein. Une fois que tu as démonté, tu as un trou béant. Souvent, juste derrière la prise, il n'y a pas forcément beaucoup d'isolant parce que ça a été manipulé. Par contre, tu vois de biais, tu vois sur le côté que tu peux avoir, bah, du coup, du polystyrène ou de la laine de verre pour Encore l'isolation. une fois, un, ça ne marchera pas à chaque fois, loin de là, cette méthode. Et deux, effectivement, tu coupes le courant et tu ne coupes pas le courant au niveau de l'interrupteur. Tu coupes le courant au niveau du disjoncteur, en Ah général. Du ouais, coup, ouais, carrément, tu coupes tout là. tu n'en mets pas, tu coupes tout. Et Donc, ça, c'est la première des choses à faire. D'accord? ouais. Parce qu'autant, en fait, je prends ton exemple, Jack, tu nous as dit 518. 518. Donc, 518, c'est pile pas dans ce que nous, on a appelé le H. OK. Mais peut-être qu'en refaisant ton DPE, en fournissant tous les documents et en supprimant certaines lignes inconnues, bah, tu vas peut-être repasser à 400, allez, 405. Moi, je te dis un exemple, tu vois. Tu vas pas monter à la lettre A, c'est Non, sûr. non, Ça non, non. Non, mais peut-être que tu vas basculer du H vers le G. Ah te donne ouais, 2 ans. mais exactement. Ensuite, en solution d'urgence, entre guillemets, LCD. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. On peut faire de la location courte durée en attendant de refaire les travaux. Ça te ramène un peu de cash pour pouvoir aller réinjecter un peu d'argent dans les travaux. On va parler des travaux après, hein. On va te donner un peu de détails. Mais effectivement, location courte durée, ce n'est pas soumis à la réglementation des diagnostics de performance énergétique. Pas pour le moment, ça arrivera peut-être un Oui, jour. pas pour le moment. Ça, c'est en discussion. Mais bon, on sait que quand c'est en discussion, ça peut durer longtemps. Donc pour l'instant, on prend les hypothèses actuelles. A priori, on pourrait ne pas avoir à changer les notations, pardon, à fournir un diagnostic.
J'ai bugué parce que Jack, tu nous dis les travaux ont commencé, 500 € du mètre carré. Donc tu fais de l'isolation par l'extérieur ou l'intérieur? Ouais, vas-y, donne-moi un peu d'infos sur ton bien, Jack. Effectivement, 500 € du mètre carré, ça fait beaucoup. Après, ça dépend d'où tu pars et ça dépend si c'était un vrai H au final. Ouais, et puis encore une fois, C'est sûr que c'est compliqué. en fait, si le bien tu l'as chassé il y a récemment et tu l'as acheté et qu'il était à rénover, d'accord, et que tu savais qu'il avait une mauvaise note, mais au final, tu allais le rénover, donc tu allais avoir 450 € de coûts de travaux du mètre carré. Donc, tu as rajouté un petit écart pour mieux l'isoler, Ouais, d'accord? Mais non, au je suis final, d'accord. c'était prévu dans tes plans et il n'y a aucun problème. C'est Voilà. exactement ce qu'il vient d'écrire. OK. L'appartement était à refaire, donc autant rajouter Voilà, l'isolation. ben parfait. Donc Donc c'est là, à ce typiquement moment-là, c'est l'exemple. pas grave. Enfin, c'est pas C'est grave, il n'y a pas ça. de danger. C'est ce Tu qu'on me vous demandes dit. si tu as Hein. prévu les coûts, tu es toujours rentable, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on vous Parfait. dit depuis 2021, c'est que profitez-en quand vous avez de la rénovation, bah, pour appuyer un peu plus sur l'isolation, sur les équipements que vous allez installer. Les équipements, on va y revenir. On vous les a déjà donnés par le passé dans d'autres vidéos, mais on va y revenir. Mais l'idée, c'est de faire les choses bien parce que vous êtes en pleine rénovation. Ceux qui ont eu un petit coup sur la tête, c'est ceux qui ont rénové en 2020, qui n'ont pas fait trop attention à l'isolation, ou en tout cas aux équipements énergétiques et consommateurs en énergie, et qui ont découvert en 2021 qu'il fallait refaire une nouvelle passe. D'accord, Jack, ok, c'est un viager. Écoute, tu l'as récupéré au bon moment, comme ça tu sais ce qu'il y a à faire dedans. Et c'était de l'isolation intérieure ou ben, tu es en train de C'est. faire de l'isolation intérieure ou de l'isolation extérieure? Dis-nous dans les commentaires, Ouais, s'il en vous deux plaît. mots, si tu veux bien, comme ça tu me donnes un peu de détails. Alors, justement, tout à l'heure, on parlait des travaux. On a dit qu'il y a des travaux rentables et des travaux pas rentables. Je rappelle juste quelque chose, c'est que le DPE, la note, là, c'est pas note sur l'isolation. C'est C'est pas une note pas d'isolation. un diagnostic d'isolation. C'est une note sur la dépense énergétique du bien. Bon, ça tient compte de comment on va chauffer, hein, on va la faire simple, hein, il y a chauffage dans de l'air pour se sentir bien, et il y a le chauffage de l'eau chaude. De l'eau, voilà, enfin, de l'eau chaude. Enfin, c'est ces deux postes qui consomment beaucoup, d'accord? C'est pour ça que je parle essentiellement de cela. Donc, il y a, dans l'énergie, il y a cette consommation-là, et il y a comment on maintient cette chaleur, l'isolation, hein, ou comment on ne va pas prendre le froid de l'extérieur avec qui va rentrer de C'est l'intérieur. ça. Voilà. Ouh, merde, la notation, elle tient compte de ces deux choses-là. Donc, effectivement, quand on fait une isolation, qu'elle soit intérieure ou extérieure, ça coûte cher. Alors, on va améliorer la note, hein, mais ça coûte cher. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur l'autre côté plutôt que d'aller travailler sur l'isolation et qui coûte assez cher? Est-ce qu'on ne peut pas aller travailler sur la dépense énergétique? C'est-à-dire comment on va chauffer la maison et comment on va chauffer l'eau, finalement. Est-ce que ça ne serait pas peut-être plus rentable pour améliorer les notes de passer par là? C'est la question qu'on doit se poser. Du coup, les gros postes, tu viens de le dire, Ben, c'est le chauffage, l'eau chaude sanitaire. Oui, c'est ça, c'est les deux gros postes. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir améliorer et diminuer la consommation et augmenter le rendement, en fait. Donc, diminuer la consommation pour des mêmes degrés gagnés. Hein. On parle vraiment là de chauffage, donc des degrés qu'on gagne dans le logement. Bah, effectivement, une pompe à chaleur, elle va nous permettre, par exemple, de consommer à peu près 3 fois moins que des radiateurs récents. Alors peut-être pas la super haute technologie à 4000 balles de radiateur, mais c'est pas de cela qu'on parle. Mais je parle pas non plus des grille-pains. Là, on va être plutôt du coup 5 fois plus performant que les vieux grille-pains qui étaient montés dans les années 90, voire avant. Du coup, monter une pompe à chaleur, ça va nous permettre donc de diminuer la consommation. Et d'une manière générale, là c'est vraiment la grosse louche, mais d'une manière générale, tu peux gagner à peu près une lettre en installant une pompe à chaleur qui va chauffer l'air. En consommant moins d'énergie. Alors, une pompe à chaleur, hein, ça réadapte une clim. Hein. C'est une clim qui est Exactement. réversible et qui permet de faire du chaud. Et en plus d'améliorer la note du DPE, bah, tu as installé une clim, hein, dans le logement. Donc, c'est bien pour l'été et c'est toujours sympa dans les annonces, C'est d'accord? ça. Dans ton annonce de location pour tes futurs Tu peux locataires. monter ton loyer. Voilà. Alors, soit tu montes ton loyer ou soit tu te démarques de la concurrence. Mais pour mieux Exactement. louer, enfin, louer plus rapidement. Mais voilà, tu apportes quelque chose de bien à ton logement. C'est ça. Donc ça, c'est pour la partie chauffage. Maintenant, il faut penser aussi, et vous le verrez régulièrement dans les diagnostics de performance énergétique, de changer ou d'améliorer la VMC. La VMC, c'est la ventilation mécanique contrôlée, qui permet donc de contrôler l'air ambiant dans le logement. Et la VMC, elle va permettre dans le d'évacuer l'humidité en particulier. Parce que de l'air humide, il faut beaucoup plus d'énergie pour le chauffer que de l'air sec. Alors sec, pas totalement sec, mais de l'air plus sec. Et du coup, en changeant la VMC, ça coûte. En général, dans les 150 à 200 balles fournies, posées hein, par un professionnel, de changer une VMC, ça dépend de laquelle, ça dépend de la taille du logement, etc. Mais ça coûte vraiment pas cher. Et ça va aussi améliorer la note, le score que vous avez dans le DPE. Et parce que vous allez consommer moins d'énergie pour chauffer un air plus sec.
En plus, vos locataires seront moins malades, tant qu'à faire. Enfin, tu vois, je suis pas un bon exemple aujourd'hui. Donc ça, c'est un deuxième point qui est couplé au chauffage. Et là, on vient de voir qu'on peut faire des économies avant d'isoler tous les murs. Alors, c'est pas ton cas, Jack, puisque tu devais tout rénover, mais si l'appartement il est déjà sympa, on peut changer le mode de chauffage, changer la VMC, et donc on peut améliorer notre score d'une lettre environ. Ensuite, on a dit que le deuxième plus gros poste, c'est l'eau chaude. Voilà. Donc l'eau chaude, ben, elle est chauffée par une résistance dans un vieux cumulus, ou alors il y a des nouveaux chauffe-eau qui ont une nouvelle technologie qui s'appelle les chauffe-eau thermodynamiques et qui vont aussi consommer moins d'énergie pour produire la même eau chaude. Mais rendement. Exactement. Donc si tu consommes là encore 2 à 3 fois moins d'énergie pour avoir la même eau chaude, ben, ta note, tu vas consommer moins, 2 à 3 fois moins, sur un des gros postes de consommation, parce que là, pour le coup, c'est pas que en hiver, c'est toute l'année qu'on produit de l'eau chaude. Et du coup, tu vas aussi pouvoir gagner environ une lettre. Bien évidemment, ça dépend d'autres paramètres, mais c'est pour te donner une idée. Bon, ben, tout ce qu'on vient de raconter, là, la clim réversible, la VMC, le ballon thermodynamique, grosso modo, tu peux compter dans les 5 à 6 000 euros. C'est beaucoup, beaucoup moins cher que de re-isoler tout un appartement, que ça soit de l'extérieur ou de l'intérieur, de pareil. Enfin, ça va être beaucoup moins cher en passant par ces équipements-là. Et t'as peut-être pas forcément besoin de tout mettre, hein. Et ça dépend après de ta situation. Tu vois à l'écran que si tu es en DPE F, par exemple, tu as jusqu'à 2028 pour installer les équipements dont on parle. Peut-être que juste gagner une lettre en installant une pompe à chaleur qui va te permettre d'augmenter ton loyer et d'améliorer le confort de tes locataires, donc ils vont peut-être rester plus longtemps et donc pas avoir de vacances locatives, etc. C'est bon pour nous, investisseurs. Tu peux du coup passer à la lettre E, dans mon exemple, et du coup, après, tu as jusqu'à 2034 pour trouver une autre solution. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, a priori, vu de ce qu'on voit, bah, les loyers vont grimper au sens large. Hein. Oui, parce qu'en fait, il va y avoir moins de biens sur le marché, parce que là, il va se passer une pénurie. On est déjà une pénurie de logement. On va faire qu'amplifier le phénomène. Là. C'est ça. Donc, effectivement, proposer toujours des biens sympas. Après, on sait qu'aussi, une passoire thermique, c'est pas marrant pour les locataires qui vont chauffer, qui vont donc dépenser beaucoup d'argent dans leur facture d'électricité et qui vont peut-être avoir en plus froid. Si vous améliorez votre bien suffisamment et en réfléchissant bien, comme on est en train de vous l'apprendre, vous allez pouvoir garder vos locataires plus longtemps ou attirer des nouveaux locataires, peut-être qui vont vouloir rester très longtemps parce qu'ils seront bien installés. Parce que une clim, c'est sympa, c'est aussi sympa l'été, hein, on l'a connu cet été. Ça améliore un peu le quotidien quand même. Et parce que le chauffage par une pompe à chaleur, ça va diviser par 3 leur consommation de chauffage, leur coût de facture de chauffage. Donc, je résume les possibilités, hein, d'accord. Finalement, on s'en fout, je fais de la LCD, pour le moment, on ne tient pas compte du nouveau DPE, il n'y a pas d'interdiction de louer. Première possibilité. Ensuite, ok, je veux avoir des notes pour ne pas être interdit de louer. Ok, bon, la première chose à faire, c'est fournir tous les éléments pour pas que le DPE ait des lignes inconnues et te prendre une cartouche, d'accord. Éventuellement, on refaire le diagnostic, hein, ça coûte pas cher, et en fournissant tous les éléments. Autant, tu as gagné 2 lettres comme ça, tu vois. Pas gratuitement, mais pas loin. ensuite, des travaux rentables. Typiquement, pompe à chaleur, ballon thermodynamique, VMC. Voilà. Donc, j'ai tout fait, hein, d'accord. Tu fais faire par un professionnel. Hein, c'est posé, fourni posé. Voilà un peu l'ensemble des possibilités. Et puis là, encore une fois, tu améliores la qualité de vie de tes locataires. Donc, c'est super important. Nous, investisseurs, on veut que nos locataires, ils restent, qu'ils payent le loyer le plus cher possible et le plus longtemps possible. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Alors, Jean-Claude qui nous demande combien ça coûte un ballon thermodynamique sans la pose. Ouais. Alors, je l'ignorais. Regardez. 1520 chez Leroy Merlin. Donc, à peu près. Après, évidemment, ça dépend des modèles. Ouais, capacités, je compte 2005, c'est la fourchette, quoi. Moi, c'était l'idée que j'en avais. C'était un peu plus de 1 000 euros. Voilà. C'était ce que j'allais te répondre. C'était un peu plus de 1 000 euros. Donc, tu vas le trouver rapidement, facilement. 1500 balles pour le poser toi-même. Attention, hein, Jean-Charles, je ne sais pas quel est ton métier, mais il faut que tu maîtrises quand tu poses ce genre d'équipement. Même si ce n'est pas forcément très compliqué, c'est à installer proprement, qu'il n'y ait pas de fuite. Hein, moi, je ne joue pas trop avec l'eau personnellement. Et ensuite, à configurer, à régler comme il faut. Donc voilà, je te laisse le juge. Mais voilà, pour te répondre, environ 1500 euros pour le chauffe-eau thermodynamique. C'est une techno qui a pris son essor il y a 2-3 ans. En réalité, c'est un élève marchand de biens qui nous a parlé de ce ballon thermodynamique en premier. Et effectivement, ça prend de l'ampleur et donc c'est installé de plus en plus souvent.
Et du coup, les prix baissent puisqu'il y a plus de production. Donc, c'est un. Ton fils est électricien. Alors, oui, ça pour l'installation électrique, oui. Fais attention à la partie sanitaire, pour plomberie. Donc, je te laisse gérer ça, effectivement, Jean-Charles. Alors, est-ce que vous avez encore des questions là-dessus? Moi, je vais boire un verre d'eau, parce que la voix commence à s'éteindre. Après, à savoir que effectivement, c'est un sujet qui est abordé régulièrement avec nos élèves. Aussi, les évolutions de loi, on en parle très souvent avec nos élèves, parce que Dans les lives avec les voilà, élèves. on Là, a. ça c'est le live public, entre guillemets, C'est hein, ça? où tout le monde peut être présent. Après, on a effectivement nos lives de l'école, en fait, avec nos élèves, Exactement. qui est un petit peu différent, dans le sens où vous pouvez mettre votre cam et nous parler en direct, en C'est fait. ça, on est en visio dans la Mais... formation. On avait, tout à l'heure, on a vu trois de nos élèves qui étaient là dans le chat. Merci à eux d'ailleurs. Ça nous fait plaisir aussi de vous voir là. Bah, effectivement, la formation, c'est une formation en vidéo, des vidéos qu'on a enregistrées, puis ensuite, on propose des lives où on parle des évolutions de loi, on parle des actualités. Ça permet aussi d'aller un peu plus profondément dans les sujets. Là, ça fait 35 minutes, on va pas tarder à clore le sujet. C'est vrai que dans le live, on parle pas mal des travaux également. Hein. Ouais. Ça reste de l'immobilier derrière. Donc, l'immobilier, il y a quand même cette notion de travaux. C'est pas tout le temps des travaux à faire, mais en tout cas, il faut quand même Ouais, savoir quoi tu faut les parles quand tu maîtriser, parles. exactement. Du coup, Ben, tu vas nous mettre dans le chat, tu vas nous mettre, si ça marche mieux que la semaine prochaine, que la semaine dernière, tu vas nous mettre un lien, et tu as changé la slide, effectivement, où on vous propose des consultations, où on discute avec vous. Soit c'est nous, soit c'est un membre de notre équipe, on discute avec vous, on parle de ta situation personnelle, on parle ensuite de tes objectifs et de ta stratégie pour atteindre ces objectifs. Et ensuite, on met avec toi un plan d'action pour que tu atteignes tes objectifs. Tout ça, c'est offert. Ben, tu viens de nous mettre le lien, si ça a fonctionné, dans le chat. Tout ça, c'est offert, bien sûr, pour discuter avec vous pendant un petit moment de votre situation et de vos projets. Donc je te rappelle, en fait c'est quoi cet appel, hein? On analyse ta situation, ton point de départ, on regarde, enfin, tu nous expliques là où tu veux aller, et puis l'idée c'est de voir comment aller là où tu veux aller le plus efficacement possible. Voilà, la Exactement. stratégie, quoi. Voilà, ce Exactement. plan, plan Tu l'as d'action. bien dessiné. On part d'un point, ta situation actuelle, on voit tes objectifs, bah, le meilleur chemin pour les atteindre. Et si on peut t'aider à les atteindre, on te le proposera. Et tu mets en place ensuite un plan d'action pour atteindre tes objectifs. Comme toujours, tout est basé dans les investissements. Vous basez toujours votre stratégie en fonction de vos objectifs. C'est très important. Et pas regarder la stratégie du voisin d'à côté qui a bien marché peut-être, mais qui a peut-être une situation différente de la vôtre. Voilà pourquoi on vous propose ces consultations individuelles. C'est offert. Ça se passe par téléphone. D'ici les prochains rendez-vous, j'aurai retrouvé ma voix et on pourra discuter ensemble. On vous souhaite un bon week-end à tous. Et ouais, une bonne fin de journée, bon week-end, et on vous dit à bientôt, à nouveau en live. Ciao!